Southern boy love that bass. Atlanta go bananas, Alabama, Louisiana, Mississippi, Tennessee's, every motherfucking state when we touch down. Go right from the plane to the rain when we touch down. On the private plane, getting brains till we touch down. There ain't nowhere to keep them quiet with Tion Shady, baby. We bout to inside a ride when we touch down. When we in town, you know how we getting down. Pull up, clean that, hop on out. Snatch up the freaks and walk on out. I'm living what they talking about. I'm shining if it dark. Donc on est avec monsieur Norman Parisi. Norman, merci de nous accorder cette petite entrevue. C'est une première pour MMA for Fight, évidemment on est ravis. Nous on a l'habitude de suivre dans le cadre du sport qui nous touche indirectement le MMA, mais là on te retrouve sur une autre discipline. Donc aujourd'hui en fait tu combattais en Muay Thai, c'est ça? C'est ça exactement. Donc, c'était un combat en Muay Thai qualificatif pour le championnat du monde de l'IFMA qui aura lieu plus tard dans l'année. Je ne compte pas forcément y participer, c'était juste afin de monter sur le ring une fois de plus. Même si c'est pas ma discipline de base, comme je dis souvent, le MMA c'est du triathlon, ça mange plusieurs disciplines. Et je pense qu'on a tout intérêt à dès que l'occasion se présente. Exactement. Et j'étais censé combattre le 16 juin au Kejwara en Turquie. Ouais. Malheureusement pour des questions qui m'échappent un peu, l'événement a été repoussé. Donc je ne combattrai pas avant la mi-juillet. Pour essayer d'enlever cette frustration, j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Mais finalement, c'est une habitude chez toi. On t'a déjà retrouvé évidemment sur le VIC, on te retrouve sur du Muay. Ouais. C'est une manière de rester actif. Oui. Aujourd'hui, comment tu te sens quand tu combats en Muay Thai? Tu sens que t'es pas chez toi ou... C'est un sport pour lequel j'ai énormément de respect, comme tout autre sport de contact. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont issus du Muay Thai. Après, c'est vrai que de mon point de vue d'athlète, les repères ne sont pas les mêmes, j'ai encore beaucoup de réglages à faire, comme c'est le cas en MMA. Mais comme je dis souvent, c'est un forgeron qui devient forgeron, donc je ne suis pas du genre de mec à dire « je combattrai quand je serai prêt ». J'y crois pas, ça. Je pense que tu es prêt, plus tu combats, plus tu es prêt. Voilà. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ma prestation pour moi, c'est très très loin de pouvoir se dire combattre en Muay Thai. Je pense que plus j'en ferai, plus je... Et tu prends du plaisir justement. Énormément, c'est l'essentiel. Donc on va parler maintenant de ce qui intéresse un peu plus les lecteurs réguliers des MMA for Fight, le MMA. Ouais. On t'a quitté au Bellator sur une défaite. Ouais, le 16 mars face à Falcon. Tout à l'heure tu me disais que finalement le Bellator te donnait une seconde chance, oui, tu vas pouvoir oui. te produire, c'est ouais, ça ouais, tout à fait. Fin septembre, vous organisez un autre tournoi pour les 404 kilos. C'est le même format, 3 combats sur 3 mois, avec 100 000 dollars à la clé et l'occasion de combattre contre le détenteur de la ceinture, qui sera soit Falcon, soit Shlemenko. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de me préparer d'ici là, et ça passe par des compètes de grappling, des compètes de boxe thaï pour arriver le plus affûté possible fin septembre et essayer de prendre ma vengeance sur notre ami Falcon. Et tu connais déjà les 8 Non, ça c'est une chose qu'on sait. On sait en général assez tard, ouais. Mais je veux dire honnêtement, je pense que les arts martiaux c'est un combat envers toi-même, donc peu importe qui sera en face sans aucune prétention. Ouais, bien sûr. Je pense que si toi tu te focalises sur ce que tu sais faire et améliorer tes points faibles, peu importe qui peut venir, tu sortiras vainqueur. Donc ça c'est l'échéance en septembre. C'est ça. Donc on le sait, hein, c'est le seul détenteur français d'une très grosse ceinture. C'est quelqu'un de chez toi. Également c'est tonton. Là on voit que d'ici là, on lui souhaite hein, d'ailleurs que Karl va peut-être aller bien chercher. Bien sûr, Karl est en finale là, il a toutes ses chances de revenir avec la belle ceinture dorée, quoi, ça serait vraiment magnifique. Bon, on souhaite un troisième champion du Bellator français. Sympa. La France, on va savoir, parce qu'on aura un défilé sur les Champs-Élysées, comme les footballeurs. Hein, vous y croyez que c'est possible ça? J'y crois pas, mais. Non, on va plutôt nous lancer des tomates. En tout cas, merci, normal. Et puis, tu veux faire un petit coucou? Tu me disais des gens. Un petit coucou, ouais, c'est un gros coucou si je m'étends, parce que je suis une nature bavarde. Un coucou à tous les gens qui m'ont toujours supporté, qui croient en moi. Et ça passe par d'abord mes partenaires d'entraînement, que mon entraîneur qui a toujours été là, que ce soit Achille, mes partenaires. Tonton, Christian Pumbo, Cédine Asek, Fessal Houssine, Johnny Frachet, Yellow Page. J'ai des amis au Canada où j'étais très très bien reçu et où je compte bientôt retourner, que ce soit Denis Kang, Nordine Taleb, David Oiseau, Georges Saint-Pierre, Francis Carmon. Vraiment, c'est un sport que voilà, j'ai pu rencontrer, la liste est longue, mais j'ai la chance d'avoir rencontré vraiment des gens qui, je sens sincèrement, qui ont envie de me voir évoluer et dans les moments entre guillemets creux comme ça peut être en ce moment.
ça vous donne une extrême motivation, quoi. C'est vraiment cool. Et habituellement, je laisse le mot de la fin à mes invités, mais là, on va faire le contraire, c'est moi qui vais clore. Comme on sait qu'il y a un Français là, qui se prépare actuellement au Tristar, Jérôme Buisson, on lui fait un petit coucou, j'espère que tu vas faire un beau combat au M1, et puis bah, merci à tous. À fond, Jérôme. Merci, super. Merci, c'est normal. Merci à vous, les mecs. Allez, normal! Allez! En bas! Mets la droite! Sur le ring, si tu fais le travail comme ça, tu le touches 2-3 fois, je me sais. C'est vrai. J'essaie de garder. Moi, souvent dans mes combats, je vais en mode. Je vais en mode destruction, je joue mon physique, j'arrive. Donc c'est sale. Mais les gars ont peur, donc on gagne. Mais là, j'ai pas envie de travailler sale, justement. Voilà, la distance, construire. Tu vois, le coup arrive, bim, voilà. Construit, okay. Tranquille, voilà, c'est ma force, voilà. Tu vas marquer, tranquille, voilà. Bloqué, bim, je vais mettre, sortir, hein. Ouais. Tranquille, après tu vois, bim, allez la garde, allez la garde, tchao, garde, voilà, encore, la garde, travaille, Annie, 1, 2, 3, Allez, Norman, là, allez! Mets-lui la pression! Là. Allez, Anis, remise! Retour! Genou, Anis! Avance sur lui! La garde, Anis, la garde! En bas, Anis, en bas! Les chutes en bas! En bas, encore! Genou, Anis! Anis! Simple! Chope! La jambe arrière, en bas, maintenant! Encore, Anis! Encore! Respire, tourne à droite! Voilà. Allez, mets-lui du look kick là. Oui. Voilà, c'est bien, Annie. Ouais. C'est comme ça, Annie. Respire, mon grand. Et on parle de l'après. T'as déjà quelque chose en vue avec Bellator ou autre? J'ai le prochain tournoi à Bellator fin septembre. Ouais. Donc ils me redonnent une deuxième chance. C'est cool. Et cette fois, je compte aller bien plus loin. Et si je gagne, j'aurai ma revanche contre Falcon. En même temps, tu prends le finaliste, donc c'est pas forcément. Ouais. Après, quand je suis dans le sport, c'est ce que j'aime. Il y a pas de. C'est le destin. Ouais. Tu prends qui est en face de toi. J'ai jamais choisi mes adversaires. C'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Mais j'ai une idée fixe. C'est ma revanche contre Falcon. Je dormirai pas tranquille tant que. Non, on finira là-dessus.